que vous avez bien joué aussi pour une nouvelle vidéo. Yo! On va faire un 24 heures Lidl, donc sachez que moi, c'est la première fois que je mange Lidl. Elle a jamais mangé Lidl de sa vie. Juste, j'ai une responsabilité pour toi et Yacine. Ouais. Vous allez devoir aller à Lidl et vous allez devoir m'acheter des trucs pour moi. Toi, tu viens pas? Non. Toi, tu viens pas? Je vais te prendre que des trucs de ouf. C'est parti. Eh, je comprends pourquoi Myriam a dit de pas venir. Il pleut, il fait froid. Elle est intelligente cette petite. Donc moi je vais m'occuper de ma partie et toi tu t'occupes de sa partie. Mon enfance c'est tout. Ici c'est mon enfance. Ils ont rajouté tout ce rayon là. Ça n'existait pas avant ça. Donc on va tester des petits gâteaux pour le matin, ça va être impeccable. Moi je vais commencer par ça pour le matin. Vous allez voir la recette de fou que je vais faire avec. Pour le midi je pense que je vais tester un petit sachet. Ça a l'indienne, c'est-à-dire c'est bien pimenté tout ça. Ouais, ça devrait être carré. On va agrémenter notre repas de ça. Ça, c'est des chocolats que tu peux trouver qu'à Lidl. Je suis choqué, regardez ce qu'il y a à Lidl, wesh. Ouais. T'es marre, ils ont fait des sushis. Incroyable. Moi, je pense que pour accompagner ce que j'ai pris tout à l'heure, le truc à l'indienne, là, on va prendre ça. On va prendre celui-là. Ça va être incroyable avec ce que j'ai pris là. Déjeuner de Myriam, je sais pas quoi prendre. Moi, je sais que quand j'étais petit, je mangeais trois types de trucs. Il y avait ça. Ça, je kiffais, je m'en rappelle. Il y avait ça, ça c'était incroyable. Prends-lui ça déjà, ça c'est obligé. Il y avait ça aussi. Prends-lui au chocolat. Vas-y, on va prendre le chocolat. Ouais, chocolat. Après, il y a ceux-là. Là. Ceux-là aussi, ils sont bons quand tu trempes dans le. Quand tu trempes, quand tu trempes dans le chocolat chaud. Ouais, mais ça c'est au-dessus ça. Est-ce qu'on lui prendrait pas peut-être celle-là là? C'est quoi? Ces gâteaux-là. Là. Ça? Ouais. Non. Prends ceux-là. Celui-là? Vas-y. Pour le soir, je te conseille trois trucs. Soit tu prends une tortilla. Tu prends ça. Tacos panini ou burger. Soit burger. En vrai, panini. Hein. Panini, c'est mieux. Parce qu'il y en a plus. Regardez, sors les tortillas de blé. Regardez comment c'est tout petit, la famille. Bon, pour Myriam, ça pourrait correspondre. Mais c'est vraiment trop petit. On va se prendre des baguettes comme ça, on va faire des sandwichs. Des lasagnes aux légumes. Ça doit être archi bon. Yes. Pour Myriam, on va lui prendre ça. Des faux capricènes. On va tester. Et moi, je me suis pris un Schweppes. Tout ce qu'on a acheté, on a payé que 20 euros. Franchement, ça fait plaisir. Lidl, c'est vraiment une source sûre. Hein. En plus, on a rajouté des trucs. Hein. Ouais. The next day. On commence la journée, c'est bon, t'as ramené des vrais trucs avec Yacine. Il est 9h54, ça va quand même, on s'est pas levé trop tard. Donc là, je vais te laisser tout préparer. Le candy up, tu prends le ciseau, tu le découpes, tu mets dans le verre. Ça, c'est ce que Yacine prenait quand il était petit, à peu près. T'étais même pas encore sur terre. Vous êtes comme moi, le matin, vous avez pas envie de parler. Ouais, mais moi, je parlais avec personne le matin, mais bon, là, c'est la vidéo. Tu renverses tout dedans. Ouais. Ils sont en train de regarder ça. S'il y en a qui savent ce que c'est. Elle a tout mis pas. Ah, je t'ai pas rappelé à l'école. Bon, je crois moi. Je pense que c'est un des meilleurs gâteaux. Regardez comment il est. Ouvre-le au milieu. Oh là là. Vas-y, trempe-le maintenant. Tu dis bismillah. Tu vas péter un câble. Et c'est pas du lait vanille, ça. C'est pas comme du lait. Ouais, mais c'est du lait vanille. C'est encore plus bon. Nous, on avait pas ça. C'était la haise. Tu dis bismillah. Si c'est pas bon, tu le dis. Hein. En fait, il y a juste ça et la vanille, ça se mélange pas bien ensemble. Sérieux? La peau, mais pas le Nutella, c'est trop bon avec. Le Nutella, c'est grave bon, mais la vanille, ça se mélange pas. Avec là. Vous, la génération 2000, vous êtes un peu bizarre, non? Sur ça, là. Ça, Yacine, il connaissait pas. C'est nouveau, bon. C'est nouveau à Lidl. Goûte. Alors, il y a du chocolat. Donc, du bon chocolat, des bonnes céréales. Et derrière, c'est comme ça aussi. Ouais. Vas-y, bah, goûte ça. Je sais pas, c'est quoi ça, là? De quoi? Des trucs blancs, là. Ça, c'est des sortes de cacahuètes. Ok. T'as pas cru, il y a du chocolat. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On peut faire à part qu'il y a du beurre de cacahuètes. Beurre de cacahuètes, chocolat, cacahuètes, un peu de miel. Extraordinaire. Donc ça va, le premier déjeuner Lidl, tu le valides? Ouais. Les garçons, j'ai des cadeaux pour vous. Quoi? Des cadeaux de quoi? Comme vous, ça va être à Lidl, et ben je vais vous remercier. C'est quoi ça? Game ball? Ouais. Ça sert à quoi? Game ball? J'ai un cadeau. On fait les cheveux. Tu te fous de moi là? T'as ramené des cadeaux. Ouais, pour une fois dans sa vie, elle me fait un cadeau, frère. Pour une fois, c'est pas bien de lui faire un cadeau. C'est quoi? Des cheveux. Bien. Par contre, c'est un cadeau que je vais te donner, mais tu vas pas apprécier. Eh, c'est grave stylé ce cadeau. Il y a deux cadeaux aussi pour moi. Il y a celui-là. Et moi. Et une poupée Barbie. Une peine à coiffer.
plus regarde, avec. Regarde, le cadeau. En mode, tu mets le truc comme ça, tu tournes. Mais il faut l'enlever le truc à l'intérieur, il y a du papier. Ah ouais? Ouais. Et tu l'as payé avec quel argent? Avec de l'argent à maman et avec un peu de mon argent. Merci. Merci beaucoup. Tu peux au moins essayer de voir si ça marche? Ouais, tu peux. Oh. Bien! Mange-le! Super classe! Ouf. C'est l'air. Le midi, c'est moi qui m'occupe de tout. Inès, tu préfères attendre Myriam ou tu veux manger? Ouais, elle est partie où Myriam? Elle est chez sa grand-mère, elle est pas, elle peut pas. Non, je vais manger tout de suite, elle mangera après, ça va aller. Ok, pour le repas du midi, qu'est-ce qu'on a de bon? On a des lasagnes aux légumes à cuisiner, ça je l'ai jamais vu, je ne savais pas que ça existait. On a des lentilles à l'indienne, du riz, lentilles à l'indienne et du poisson collant d'Alaska. Donc, comment on va faire? On va mettre le poisson dans le four. Le four, il a été déjà préchauffé à 200 degrés. Nous, quand on était petits, ça existait grave pas ça avant. Question très importante. Wow. Un ou deux? Un. Ah, ok, j'avais cru que t'allais dire deux, j'allais dire Max et Halleuf. Donc, on prend le poisson, on va le disposer dans le four, ça pue. Le chef ici, là. Myriam, je te laisse servir la vidéo, je lui laisserai ça. Ouais, Myriam, on va lui laisser les lasagnes aux légumes, ça, je l'ai jamais vu vraiment. Yasmine m'a préparé le repas à Lidl avant. Franchement, ils sont devenus chauds. Avant, c'était impossible de manger ça à Lidl. Je prépare le dessert aussi. Premièrement, mon dessert, un dessert de la Hesse qui peut bien vous faire plaisir. Vous prenez ça là. Ça, il y en avait à Lidl, mais je n'ai pas acheté vu que ça, il en reste. Je prends une bonne petite cuillère comme ça. Sois bien généreux. T'en mets sur la galette. Ça, le paquet, il coûte même pas 1 euro. C'est incroyable. Ensuite, tu prends une banane. Tu découpes des petits morceaux. Tu les mets dessus. Tu prends un peu de miel. Tu mets vite fait un petit tourbillon. Un peu de chocolat, ça c'est un dessert frère, il est incroyable. Tu mets un petit chocolat comme ça. Alors, on va laisser pour la fin. Vas-y, on va goûter. Ça, je vous avoue que c'est des trucs à l'indienne. Ça ressemble à du caca, désolé, je dis la vérité. Par contre, c'est magnifique. C'est comme si ma grand-mère, tu vois, quand tu vas chez ta grand-mère, elle te fait un plat, Yacine. C'est super bon. Franchement, je valide à 1000%. Le poisson. C'est pas triste. Non, wallah, c'est trop bon. Moi, je préfère manger ça qu'un grec. Hein. Vraiment. Et je suis pas un forceur. De toute façon, maman, elle a dit depuis que je suis petit, j'aime bien manger tout. Pas comme toi. Toi, avant, tu mangeais jamais des trucs comme ça, toi. Le poisson, c'est. Parfait. Impeccable. Le repas, je lui mets 8,9 sur 10. Il est super bon. Et le dessert. Après, je vais manger tranquille. Hein. Ça, c'est juste pour tout goûter. On va couper une partie avec un peu de chocolat, un peu de banane. Là. Un petit peu de Schweppes, un petit peu de Schweppes. Moi je continue de manger, je vais essayer de ramener Myriam. Grosse geek, une grosse geek. Avec Yacine là qui joue à Fortnite. Vas-y, fais-nous voir si j'ai bien joué. Quand t'as relancé, ça t'a refait l'échec du lancement. S'il y a un mec et tu le tues pas, oh t'es trop. Bah ça m'a fait pareil. Regarde, regarde. T'es trop nul, c'est quoi. Je pendant que moi les gars, je suis meilleur joueur de la partie. Regardez, crack 9-3. J'ai tué 100 personnes. Enfin, dans le jeu. Hein. Spider-Man. Dernière chance. Spider-Man. Regardez Mimi comment elle est nulle. Spider-Man. Tu veux prendre les likes tous les jours. Mais je vous dis bien, j'ai pas 3 kills. Regardez tous les kills que j'ai fait moi. Je suis tout premier, 134 kills, 29 morts. Eh, mais moi, regarde, j'ai fait combien de kills? 1 kill, 2 kills. Repas du soir, on va se faire des panini Lidl. Mais par contre, c'est moi qui fais ma recette à moi. Ok, moi je fais ma recette à moi. Donc, moi, ma recette, c'est ça. Je viens mettre de la crème comme ça, un peu comme ça partout. Tiens. Moi, je viens étaler. Vas-y, tu peux faire ta recette en même temps. Ah, ok. Donc, moi, je vais commencer. Ensuite, on prend du blanc de poulet. Bon, ça, c'est un peu de la triche. C'était pas Lidl, mais Lidl, c'est pas halal. Quand on était petit, c'était halal. Tu te rappelles, maman, quand on était petit, on prenait là-bas, c'était halal. On va rajouter du fromage. Oulala, ça me dégoûte. Impeccable. Moi, j'ai mon pas. Wesh, t'en as mis trop. Toi, t'es gourmand, bon. Bah, ensuite, oui. Tu mets quoi, fromage? Non, moi, je mets tranche de dinde. Et attends. Et par-dessus les tranches de dinde, je vais rajouter encore de la sauce. Non, tu vas trop mettre après. Bismillah. 1, 2, 3, bismillah. Attends, moi, je coupe pas, là. Incroyable. Ça sent la crème, bon. C'est pas au niveau du panier de la boulangerie, ouais. Mais ça fait grave plaisir, c'est super bon. Capri Sun,
Toi, tu bois pas? Toi, tu bois pas? Dis-nous si c'est de l'eau de Javel ou si ça a le goût de la camomille. C'est trop bon. Wesh. Pas du Capri Sun, c'est du faux. Tu crois que c'est du Capri Sun? Oui. T'es mal, c'est fait avoir. Non, c'est du multivitamine. Bah c'est... C'est pareil. C'est un tout petit peu plus haut. Elle a dit c'est carrément plus bon que le Capri Sun. Dinguerie, en plus c'est moins cher. Voilà, maintenant on va faire la masterclass, celui qui fait le plus gros croc, il gagne. Et il gagne quoi? Il gagne que c'est le poste de cette vidéo. Okay. Mais t'as aucune chance, Ryan. 1, 2, 3, 5. Parfait. C'est moi. Elle ose dire que c'est elle, demain mon panini, frère. Arrête, tu la mets en bas. Non. Non, on va vous laisser là, Lidl, c'est validé à 100% pour ma part. Et pour c'est toi. Quoi, on va faire la prochaine? La prochaine, on va manger les repas de Noël pendant 24 heures, je pense. Oh. Et toi, Lidl, si tu t'en penses quoi? Je suis présente là, à l'UNESCO. T'es présent? Oui. Impeccable. C'est un repas de Noël, je suis là. Vas-y. Moi j'ai pensé que les dates c'était super bon, mais je pense pas que c'est pas plus bon que Noël, les repas de Noël. Ok, on verra. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Ciao.